Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. C'est une théorie dont j'avais envie de parler depuis un moment maintenant, mais il fallait que je la fasse avant la sortie de Vice Versa 2. Vous en avez probablement déjà entendu parler d'ailleurs. La série Disney Plus, Monstre au travail, m'a encore plus motivé à le faire. Pas que ce soit lié, hein. Enfin, pas complètement. Je vous la conseille fortement, les amis, il y a 2 saisons. Ça vaut le coup, croyez-moi. Bon, allez, c'est parti, les amis. Bing Bong, dans Vice Versa, est un personnage joyeux qui était l'ami imaginaire de Rayleigh quand elle était petite. Il est une espèce de croisement entre un chat et un éléphant. Et nous sommes tous tombés en dépression quand il s'est sacrifié pour que Joie puisse échapper à la décharge de mémoire et remettre les choses en ordre dans la tête de Rayleigh. Avant de mourir, il a demandé à Joie d'emmener Rayleigh sur la lune pour lui. Et puis, c'est tout. Mais il y a bien plus de complexité qu'il n'y paraît autour de ce personnage. Connaissez-vous la théorie Pixar? À ce stade, c'est même plus la peine de l'expliquer. Mais en gros, pour les ignorants, la théorie Pixar dit en gros que tous les films Pixar se déroulent dans un seul et même univers, mais qu'ils se produisent tous à des moments différents. Dans le film Monstres et compagnie, on nous montre que les monstres utilisent des portes pour entrer dans les chambres des enfants et les effrayer afin d'obtenir des cris. Mais à la fin du film, ils découvrent que le rire était plus puissant que le cri et ils ont donc commencé à faire rire les enfants. Donc, si Vice Versa se déroule dans le même univers que Monstres et compagnie, selon la théorie Pixar, et si Bing Bong travaillait pour Monstres et compagnie, et était le monstre de Rayleigh. Il l'a fait rire pour récolter ses éclats de rire et elle l'a tellement aimé qu'elle a créé un ami imaginaire basé sur lui. Au fil des années, Rayleigh est devenu trop âgé pour que Bing Bong puisse la divertir, alors il s'est arrêté, ce qui a fait que Rayleigh l'ait lentement oublié. Ainsi, même si Bing Bong meurt dans Vice Versa comme un simple souvenir de Rayleigh, il est toujours là, quelque part, faisant rire les enfants et leur offrant le bonheur et la joie. Très honnêtement, j'aime beaucoup cette théorie. La mort de Bing Bong est tellement déprimante et cette théorie me réconforte totalement. Vu son design, il aurait toute sa place dans l'univers Monstres et compagnie. C'est typique le genre de monstre qu'on retrouve là-bas en plus. Il faut savoir que je crois à fond en la théorie Pixar, malgré ses lacunes, et apparemment cela a été debunk, à vérifier. Mais cette théorie sur Bing Bong, bah je la trouve vraiment plausible les amis, croyez-moi. Vous savez, avec la série Monstres au travail, je m'attendais vraiment à un petit caméo de notre ami, hein. Genre vraiment. Mais bon, au final, il n'y a rien eu. Pas dans la saison 2 non plus. Dommage. Mais bon, dans la saison 2, nous avons eu le retour d'un personnage emblématique. Et quel plaisir. Je vous en dis pas plus. Mais si vous avez regardé, vous savez probablement de qui je parle. Bref, quoi qu'il en soit, pour en revenir à Bing Bong, rien ne prouve qu'il existe dans l'univers Monstres et compagnie, bien évidemment, si l'on exclut la théorie Pixar. Mais il n'empêche que c'est loin d'être improbable. Déjà, comme je l'ai dit, le design de Bing Bong en lui-même qui ressemble vraiment à un design de monstre qu'on retrouve dans l'univers de Monstres et compagnie. Donc je me dis que c'est quand même loin d'être impossible. Rien ne le prouve, rien en soi ne la débunk non plus, mais voilà, on ne saura probablement jamais. Mais bon, on peut toujours rêver, après tout, les théories sont là pour ça. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez à cette théorie? Avez-vous des éléments supplémentaires l'approuvant? Ou alors, vous pouvez toujours la débunk, hein. Y a pas de problème.
c'est juste que j'aime cette théorie parce que Bing Bong est vivant, au moins là-dedans. Laissez-moi vivre, ok? Je la trouve mignonne et... laissez-moi croire ça. Enfin bon les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Évidemment, c'était court, mais le principe de la théorie, c'est que ça raconte pas grand-chose au final. Mais malgré qu'il n'y ait pas beaucoup d'éléments la prouvant, je la trouve plausible parce que non seulement elle est mignonne, mais en plus, ça nous fait sentir mieux par rapport à la mort de Big Bang, quoi. Enfin bon, n'hésitez pas à me donner votre ressenti là-dessus et dites-moi si vous avez eu un ami imaginaire quand vous étiez enfant. Ouais, on en a tous eu, hein. Mais je dirai rien sur le mien. Enfin, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!